Il y a des émissions intellectuelles là, où on invite des écrivains. Là. Puis on dirait que c'est un concours à qui sortirait le mot le plus rare, là, l'expression la plus sophistiquée, les termes les plus origineux. Tu vois ce que je veux dire? Dossier culturel. Allez, on part si fort, putain! Oh là là, mais t'as décapé, c'est le volume! Eh ben bonsoir, et chose promise, chose due, l'auteur dont nous avons fait la critique de l'ouvrage la semaine dernière est avec nous au studio. Eh ben voilà. Voilà. Alors Didier Svenberg-Dadu, bonsoir. Bonsoir. Votre ouvrage est une sorte d'exégèse où vous excoriez le latinisme avec véhémence. L'éditeur s'est d'ailleurs complu à dragéifier le récit et ainsi perlibrantigifarder le pétangel deck très tardernance de la flédicornus tolénatoire. Oh, alors là, bravo. Merci à tous. Très joli mot. Merci. En fait, il s'agirait surtout de la dénonciation du plébitilisme toptonlicaire de l'excapoinge schlégalogine. Merci. D'accord, mais il est clair que vous évoquez quand même la bretellopalnec et la topilita copture d'ostélogrammaste. Il est un peu normal de remarquer que j'en parle avec toute cette dernière petite cajou que ce bonité d'Aborstlil. Si vous voulez m'excuser, je crois que vous avez un petit spoptémontec là, sur le bord du brébantal. C'est pas vrai. Oh, merde. Juste là. Bon, voilà qui est embarrassant. Désolé. Je peux moucher, dites. Si, mais faites-le intellectuellement. D'accord. Prends-les dans les culs. Voilà qui a de la classe. Merci. Eh bien bravo, alors avant l'entrevue, je... Je le dis, giflec n'étrange, optipantoire, dinétropagette pour Télinia Mopinicule. Je vous demande pardon. Je suis désolé, je viens d'émettre un gargouillement d'estomac. C'est légitime. Parlons maintenant de votre pièce de théâtre qui connaît un grand succès à Paris, ça s'intitule L'endroit où elle habite. Et pourtant, il y avait une mauvaise critique au départ. Quelle est la raison selon vous? Une raison ridicule s'il en est. On m'accuse de remettre en question tous les principes anatomiques, simplement en ayant comme titre Dis-moi où elle habite. Oh là là, les critiques parfois peuvent être bizarres. À qui le dites-vous? À la télévision, il y a parfois des actes manqués. Et c'est la raison pour laquelle on vous passe subitement une pub. Alors maintenant, quand on est bien installé dans le kayak, ouais, on apprend à se servir de la pagaie. Oui, alors c'est très important de bien manier la pagaie. Alors ceux qui regardent la télé, vous allez être passionnés. Et surtout si vous regardez une autre chaîne. Absolument. Alors je vais me retourner la tête sous l'eau avec mon kayak. Bah, il faudra peut-être d'abord expliquer pourquoi faut-il se retourner la tête sous l'eau avec un kayak. Parce qu'avec une cuisinière électrique, c'est pratiquement impossible à faire. Ah d'accord. Alors attention, 1, 2, 3. Bon alors on a vu la technique que Robert a employée pour se retourner la tête sous l'eau. On va le voir réapparaître un instant. Robert ? À Info Plus ce soir, nous parlons des nouvelles lois en Pologne en vigueur. Nous avons interrogé des politiciens de la Pologne et de la vigueur sur Canalphabet. Canalphabet, c'est pour vous. Même si l'émission Fort Boyard est tournée à l'avance, il peut arriver aussi des imprévus. Alors, cher ami, voici l'énigme. Un objet qui ne vole pas... Coupé. Attendez là. Dites à cet enfoiré que c'est contre le lutteur qui doit se battre, pas contre le père Foura. Mais c'est toujours à la télé en direct qu'arrivent les imprévus les plus incroyables. Et souvent, l'auto-promo arrive trop tard. Alors c'est ici que vous installez les feux d'artifice? Ouais, on installe dans cette tube là. D'abord, de quoi c'est fait un feu d'artifice? Vous pouvez nous le dire? Ben c'est un pétard. Ah vraiment? C'est un pétard. C'est un pétard, donc j'aurais dû poser la question plus tôt. Non, c'est un pétard. Mais c'est pas dangereux de manipuler ça comme ça? Non, y a pas vraiment de danger parce que... À Info Plus ce soir, anniversaire politique, nous parlerons d'état de siège au Chili. Et dossier économique, nous parlerons d'état de siège pliants qui sont à rabais chez Ikea, à Canal Gésic. Canal Gésic, c'est pour vous. Mais ces accidents du direct peuvent aussi arriver dans d'inoffensifs documentaires. Alors comme nous sommes dans une pâtisserie de taille industrielle, il y a bien sûr d'énormes malaxeurs. Ouais, il faut parce que... Oui, bien sûr. Alors vous voyez, il y a la pâte qui est prête, on n'a qu'à agiter le malaxeur. D'accord. Oula, c'est impressionnant. On mélange 300 kilos de pâte. C'est incroyable, hein. Et il faut pas trop vous approcher. Tous les mercredis sur Canal Se Faire Foutre, l'émission Dossier. Cette semaine, le candidat à la mairie de Flipoux-les-Bains va-t-il se retirer de la candidature faute de financement? Et la semaine prochaine, l'émission sera-t-elle retirée de l'horaire faute d'audience? Deux minutes, les deux minutes du peuple. Les parents ne sont pas toujours d'accord avec ce que la télé présente aux enfants aujourd'hui. Qu'est-ce que tu regardes, Jonathan? C'est mon cartoon. Non, salut, crotte de nez. Salut. Si on allait voler une voiture... Je t'ai déjà dit que j'aimais pas du tout que tu regardes ces conneries. Oh, non. Non, regarde en l'air. Il y a une nana avec des grosses poules qui nous tombent du ciel. Jonathan. C'est deux parachutistes. Ah quoi, non? Tu changes de chaîne. Et puis tiens, je te pète dans la bouche. Oh. C'est dégueulasse. Oh, non. Je regrette, mais c'est l'heure des infos. Oh, fais chier. Et le président américain.
a également souligné... Mais tu vois bien que c'est pareil partout. Eh ben j'aurais tout vu. Tiens, on va regarder Bouillon de Culture. Oh, tu me remets mon cartoon. J'ai fait la lecture complète de votre ouvrage et voici ce que j'en pense. Ah vraiment? C'est pas vrai. Et tu veux venir me le mettre toi-même peut-être ce doigt? Ta gueule, petit prétentieux. Bon, je rêve. Non, c'est pas possible. Attends, il y a un concert ce soir. Bon, tu vas me faire louper mon cartoon. Un concert, au moins, c'est pas vulgaire. Ce soir, voilà. Sur scène, nous vous présentons Patrick Bruel. Bon, qu'est-ce que tu disais? Bah enfin, habituellement. Je veux mon cartoon. Eh ben regarde-le ton cartoon et moi je vais appeler cette station de télé. Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? Je vais en foutre, moi, des émissions pour enfants. Il regarde quelle chaîne, là? C'est la 2 ou la 3. La 2 ou la 3, bonjour. Bonjour, mademoiselle, j'aimerais parler à la personne responsable de la programmation. Eh ben quoi? Ben, y a bien quelqu'un à la programmation, mais de là à dire que c'est une personne responsable. C'est bien ce que je croyais, merci. Enfin, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Y a qu'à force de regarder la télé, notre fils deviendra un monstre. Oh non, ça, c'est des histoires de ma grand-mère. Pas vrai, mémé? Je devrais inscrire Jonathan à des cours avec madame Bissot. Mais qu'est-ce qu'elle enseigne, madame Bissot? Eh ben, au moins, elle enseigne pas la violence, elle. Alors, elle enseigne quoi? Le violoncelle. Mais tu crois que ça va changer quelque chose? Mais regardez qui parle. Toi, t'as peur de gronder ton fils. Tu te dégonfles. Moi, je me dégonfle. Tu te dégonfles. Attends voir un peu. Tu vas voir qui se dégonfle. Fils! T'as intérêt à plus regarder les choses que tu devrais pas regarder. Et enfin, ta mère et moi, on trouve que tu pourrais quand même faire attention. Et merci de vous intéresser à notre produit et revenez nous voir. Bonne journée. Putain, ce que je lui ai mis. Tu pourrais lui prêter ta voiture pendant que tu y es? Eh, pas! Quoi donc? Tu pourrais me prêter ta voiture? Bon, enfin, Jonathan, pour aller où? Je sais pas, très loin. Cette fois-ci, Jonathan, je serai sévère. Nous allons partager les frais d'essence. Non, mais je rêve! C'est ta seule condition avec ce monde de payer à deux l'essence? Mais chérie, c'est là qu'il est, dans la deux l'essence. L'équipe d'une émission de télé n'aime pas beaucoup que le producteur de la chaîne se présente sur le plateau, parce qu'il en dit souvent plus qu'il n'en sait. Et on le voit à quelle heure le troisième invité là? Il y en a que deux invités aujourd'hui. Ah c'est vrai, il y a le numéro de magie. Bonjour. Bonjour. Ça va, monsieur Blisbonne? Il faudra me changer ce décor avant ce soir, hein. Mais c'est impossible, pourquoi? Parce que je veux pas recevoir un autre coup de téléphone du diffuseur qui se plaint des audiences, voilà pourquoi. Ouais, mais ce serait pas plus simple de débrancher votre téléphone? Et l'orchestre, là? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut changer la finale de l'ouverture. Quoi? Alors faut pas faire taracapa tacapa, il faut faire tacarapa taratapa. Ouais, ouais, hein? Bon, faites-le. 3, 4. Non, non, c'est pas ça. Bah, hein? Guitariste, qu'est-ce que tu viens de jouer? Je viens de jouer ça. Bon, passe-moi la guitare. Quoi? Passe-moi la guitare. Hein? Bon, il faut faire comme ça. T'as bien compris? Oui, monsieur. Hein? Et le batteur, qu'est-ce que tu faisais? Je faisais ça. Bon, passe-moi les baguettes. Quoi? Passe les baguettes. Tenez. On fait comme ça. Hein? D'accord. Réalisateur! Ouais. Quand l'invité parle, tu montres l'invité, pas l'animateur. Je faisais ce qu'on appelle le reaction shot. Ouais, bah l'invité parle, tu montres l'invité. Ouais, mais l'animateur parle, tu montres l'animateur. Ouais, je Question de logique. Ouais. Au fait, à un certain moment, t'as montré une image de palmier et de plage, là. Ouais. Bon, ça, c'était très bien. Ah bon? Hein? Quoi que je sais pas, c'était à quel moment, là, mais. C'était une erreur, c'était pendant la chronique de ski. Quand il y a quelque chose de bien, je me gêne pas pour le dire. Hein? Merci. Technicien au différé! Putain, ce qui fait chier, ce producteur. Je te jure, la plupart, ils sont comme ça. Mais toi, t'as de la chance, il a l'air à bien t'aimer. Ah oui, et réalisateur. Ouais. Au début, il n'y a pas assez de changements de plan. Il faut des changements de plan tout le temps. Ouais, mais c'est parce on ne fait pas une image deux secondes, on fait quatre images une seconde. Je vais vous expliquer. Hein? C'est qu'on ne peut pas faire ça avec trois digitales sans prémontage et la console online. Il faut brancher toutes les bêtas sur un autre bloc. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? J'ai rien à foutre de ça. Allô? Monsieur Blisbonne? D'abord, on fait pas... On fait... Oui, ça va. Le diffuseur n'est pas content des plans d'image du début. Mais on peut pas faire autrement avec trois digitales, son prémontage et la console online. Il faut brancher toutes les bêtas sur un autre bloc. Oh, ça va, oui. Et qu'est-ce qu'il connaît, lui? Il fait le message. Ciao. L'éclairagiste, où il est? Je suis là-haut. Il faudrait mettre plus de rouge. Fred est tombé. Quand on tombe, on fait pas... Pouf. On fait... Oh, ça va, Blisbonne? Fred vient de tomber, quand même. Ben voilà le problème, il est tombé quand même, même si c'est un professionnel. Monsieur le producteur. Qu'y a-t-il? C'est délicat, mais hein? Je me demande si l'animateur fait bien son travail. Mais bien sûr. C'est parce que c'est moi qui l'ai choisi. Oui, je sais. Il est parfait, il est génial. Bon, d'accord. Hein? J'ai rien dit. Charles. Monsieur Blisbonne. Ça va très bien l'animation, tu fais très bien. Merci. Il y a juste un petit truc. Ah bon? On dit, mon prochain invité n'a nul besoin d'être présenté. Oui. Et non pas, j'ai besoin de présenter mon prochain invité nul. J'ai dit ça? Faut faire attention. Oh là là. Hein? D'accord. Ah, et aussi. Oui. Tu complimentais la chanteuse hier pour son look. Ouais, bon. Bah je trouvais que c'était. On dit, vous portez de belles toilettes, vous maniez bien la brosse, votre coiffure vous donne un air naturel. Oui, hein? C'est ce que j'ai dit. Et non pas, votre coiffure naturelle vous donne un air de brosse à toilette. Oups. Hein? 2 minutes, les 2 minutes du peuple.